Il y a ce sait, je vais tout vous expliquer. Je vous raconte. En fait, ce qui se passe, là, il est exactement 14h30. J'ai filmé toute ma matinée, mais le truc, c'est que rien ne s'est enregistré. Voilà. Donc, je vais vous expliquer super rapidement ce qu'on a fait ce matin. On s'est levé super tôt, on est parti à l'agora. On est parti faire aussi, surtout avant, tout ce qui est papier administratif. Comme ça, on est vraiment débarrassé de ça. On aime bien se faire ça pendant les vacances. Enfin, c'est pas genre le kiff qu'on aime bien se faire, mais pendant les vacances, on s'accorde une journée, voire deux jours, pour faire tout ce qui est papier. Comme ça, au moins, on est débarrassé. Et comme ça, surtout, on le fait ensemble. On aime bien faire ça ensemble. Et donc, après, on est parti à l'agora. Ayoub, il est parti changer ses baskets. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je lui avais pris des baskets chez De La Veine. Donc il est parti les échanger parce qu'il les aimait pas. Voilà, tout simplement. Et donc il a pris à la place un super beau gilet. Franchement, il était joli avec un haut noir, avec des lacets sur le côté. Enfin, il est pas mal. Bon, après, comme il vous expliquait tout à l'heure, Ayoub, De La Veine, c'est pas son magasin favori. En fait, il l'aime pas du tout. Ouais, il aime pas ce magasin. Moi, je pensais vraiment, pour le coup, que le style qu'il y avait chez De La Veine, bah, ça pouvait lui plaire. En fait, non. Ce qu'il vous expliquait, en gros, ce matin, il disait les styles qu'il nous donne, ils sont bien. Enfin, il y a des beaux trucs, tout ça. Mais au niveau de la qualité, de la matière et surtout de comment c'est taillé, bah, ça, il aime pas du tout. Et il nie pas le fait qu'il peut y avoir quand même des beaux trucs, mais très rarement. Et donc ensuite on est parti au resto, on a mangé italien, bon pour le coup c'était pas bon du tout, on était dégoûté parce que franchement c'était le restaurant qu'on voulait faire depuis le temps qu'ils avaient ouvert dans l'agora, hein. On pensait qu'il allait être pas mal parce qu'on s'est dit italien, on a pensé tout de suite à Via Piano, enfin Via Piano, et en fait non pas du tout, il est pas du tout terrible, enfin... Les pâtes d'Ayoub, ils trempaient dans de l'eau, c'était pas du tout agréable à voir pour le coup parce que encore il m'a dit que le poisson il était pas mal, le cabillaud il était bon, c'était des pâtes au cabillaud mais alors pour le coup c'était vite écœurant. Là, pour notre petite matinée, moi bah écoutez, j'ai profité de ma matinée, maintenant il est temps de travailler donc je vais y aller. Petit déjeuner de ce matin, donc pour moi c'est chocolat chaud avec des tartines, une tartine à la confiture de fraises et une autre avec du miel et du beurre. Ayoub c'est du salé, donc c'est des œufs. Il s'est fait un thé aussi, un thé maison qu'il a fait parce qu'il le fait juste trop bien. Donc voilà, et là il y a un petit peu d'huile d'olive du Maroc et voilà, on est parti pour bien déjeuner. Préparer un manger, donc pour ma mère et moi, je suis en train de faire du cabillaud et colin d'Alaska au citron et avec des pâtes au beurre. Voilà, quelque chose de simple pour ce midi. Et ensuite, bah, je vais bosser. Voilà, il n'y a pas de surprise pour moi. Je vous ai pas dit mais hier je suis partie chez les parents d'Ayoub, je suis partie manger là-bas, j'aime tellement manger là-bas, c'est tellement bon. Et je suis trop contente parce qu'en fait elle m'a préparé du citron confit, donc des citrons pour le coup parce qu'il y en a quand même beaucoup. Enfin je suis refaite, franchement j'aime trop les citrons, surtout quand ils sont confits. Et franchement c'est super simple à faire. En gros ce qu'elle a fait c'est qu'elle a mis de l'eau à bouillir, elle a laissé l'eau refroidir. Ensuite elle a mis l'eau dans ce bocal. Après elle a pris un couteau et en fait elle piquait les extrémités du citron. Et ensuite par contre elle a mis beaucoup de sel, c'est à dire qu'elle a mis 5 verres de sel. Et donc elle a vidé dans le bocal. Et après elle a refermé et elle a laissé agir pendant 15 jours exactement. Et je trouve que ça relève tellement les plats le citron confit que je suis juste trop contente. Donc je vais le laisser ici. Ma conseillée, je trouve ça vraiment pas bête, c'est que par exemple l'eau du citron, je la jette pas mais je la réutilise. Si par exemple j'achète un poulet et je veux laver mon poulet, bah à ce moment là je lave mon poulet avec l'eau du citron. Et pour le coup j'y avais pas pensé. Bon, il est 14h, c'est parti pour moi pour réviser les maths. Et d'ailleurs Ayoub il est parti hier à Action. Et donc il m'a ramené ça, vous savez je vous avais dit que j'en voulais pour
pour mettre en fait sur les pages, comme ça au moins je sais ce que j'ai fait et je note s'il y a des petits trucs à revoir sur les petits post-it, donc c'est cool. Alors il est 16h30, je m'accorde une pause un petit peu et après je reprendrai. Bon bah déjà mon objectif de la journée il est fait, c'est à dire que j'ai fait mes deux chapitres de maths aujourd'hui, donc là je suis contente. Au pire tout à l'heure je m'avancerai, je rajouterai un chapitre de demain, enfin dès que j'ai le temps, et puis vu que j'ai pas grand chose à faire autant m'avancer un maximum. Donc comme vous pouvez voir j'ai fait un code couleur avec les petites languettes là, donc en gros les bleus c'est les chapitres que j'ai vus, là tout ce qui est jaune c'est les trucs que j'ai à revoir, les trucs que j'ai pas trop bien saisi, et pour terminer j'ai rajouté la languette rose pour dire que c'est le prochain chapitre que je vais devoir travailler. Donc voilà, je trouve que ce petit code couleur il est plutôt pas mal. Aujourd'hui, ah je vais s'en piquer, on est vendredi, alors là, un petit peu spécial ce qu'on va faire, enfin c'est pas moi qui va faire mais ça va être ma mère, coucou d'ailleurs. Coucou. Là elle va faire une séance, comment on appelle ça? La séance La séance elle s'appelle acupuncture. Mais tu rigoles, mais toi t'arrives à le dire le mot? Oh, ma mère, elle va se faire planter des aiguilles super fines, donc on va voir ce que ça donne. En gros, j'ai regardé un petit peu sur internet et soi-disant il y a plein de bienfaits de faire ça, donc on va voir ce que ça donne. Mais principalement, j'ai voulu que ma mère elle essaye ça parce que c'est quelqu'un de quand même un petit peu beaucoup stressé, hein, n'est-ce pas? Donc on va voir si c'est bien. Et aussi, ils ont dit que tu peux perdre du poids en faisant ça. Donc après je pense que c'est sur plusieurs séances, mais déjà on va voir ce que ça donne la première séance. Non, mais là on part mais on n'a pas mis le GPS, rien du tout. Bah je sais pas, toi tu m'as dit tu connais. Non, je connais pas. Tu m'as pas donné, moi j'ai pas, tu me dis où c'est, mais j'y vais. Oh regarde, t'as vu ce qu'ils ont fait? Oh, c'est pas, ah oui, truc de bonbons. Ouais, garde-toi au parking là-bas, je crois que c'est dans le secteur. Attends, je vais quand même regarder sur internet, je vais regarder. Je dis pas de bêtises parce que sinon déjà on est un petit peu en retard, hein, maman. Mais non, tu as dit 15. Bah 15, il est 11, on est toujours pas garé, on sait pas où c'est. Mais bon, y a... Là, tu vois, tu stresses. C'est toi qui stresses et pas mais moi. Mais oui, mais je croyais que c'était ici. Mais non. On n'est pas du tout au bon endroit, c'est pas du tout. Ah bah elle a chaud là, madame. Oh là là, où tu vas toi? Oui, donc c'est pas du tout ici, on est en retard, donc ça commence déjà mal mais cette séance. On y va avec le stress. Ouais, au moins ça fera effet en sortant. J'ai une boule au ventre. Ah bon? Ouais. Pourquoi? J'aime bien y aller toujours en avance. Ouais, je sais, mais c'est parce que t'es avec moi là, donc forcément t'arrives. Oui, je t'avais dit tout à l'heure. Oh, non, c'est pas encore, on a le temps. Mais oui, mais je pensais que, je te jure, je pensais que c'était là. C'est toi qui normalement dois y aller, pas moi. Je te jure, si ça fonctionne, j'y vais. Je vais me détendre un petit peu là-bas parce que là, ça va plus. Ah bah oui, tu lui dis parce que là, en ce moment, c'est cahier sur cahier. J'ai pas le choix en même temps. D'ailleurs, oui, je voulais vous dire, sur ma dernière vidéo, vous avez vu que ça a été beaucoup un vlog sur mes révisions, mais en même temps, toutes mes vacances, elles vont se résumer à ça. Donc maintenant, je vous parlerai plus des révisions. Enfin, du moins, je ferai pas une vidéo, enfin un vlog, pour le coup, entier dessus. Je vais essayer de vous épargner tout ça. Et à ce moment-là, je vous prendrai pendant les vacances que quand il y aura peut-être des choses un peu plus intéressantes. C'est gentil, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ma mère, je me traîne toujours en stress en fait. Mère, ça va. Oh, c'est vers où? Ah oui, mince, faut qu'on mette le GPS. Bah oui, attends, on part, mais on sait toujours pas où c'est. Il est gentil, monsieur, en plus. Hein. Oui, mais il est gentil, monsieur, oui, mais. Non, mais il a dit pas de problème, je vous attends. Peut-être qu'il a pas de client. Ah, bah voilà! C'est bien pratique comme ça. Oui, mais si elle vient par là. Ah oui, là ça pose problème. Je suis la routière. Dis alors, attends, toujours tout droit. Toujours tout droit. Après le rond-point, tu vas encore toujours tout droit. J'ai cru qu'elle allait tomber dessus moi. Oh là 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 là, ça bouge là. D'ailleurs, demain, ça va être ma première journée où je m'accorde aucune révision. Non mais sérieusement, j'ai vraiment envie de rien faire. Pour le coup, demain, peut-être le soir. Oui. Voilà. Mais de la journée, je profite de ma journée. J'ai mis mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux à force de lire et de travailler. J'ai mal aux yeux. C'est quelle lumière? Je sais pas. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Écoutez, je
finalement on n'est pas très en retard. En fait c'est le monsieur qui est en retard parce qu'il y a un monsieur qui vient juste de passer avant nous. Donc je pense qu'on en a pour un moment parce qu'il a dit 45 minutes une séance. Dormir, 40 euros la séance. Ah, il a fait... ah mais en fait il a fait... en fait c'est juste une formation maman. Oui. Parce que là il dit qu'il a fait 40 heures de formation pour l'année 2017. Ouais non mais peut-être qu'il a il, est... il a fait des heures de formation. Ah oh, il va te piquer, tu vas te dégonfler. Elle a peur, regardez. Elle est pas du tout en fait. Je l'ai amené chez un charlatan. Mais t'es folle. Je vous ai pas dit, mais je reçois mon téléphone lundi. Ils m'ont dit entre 6h du... Non. 6h. Reste devant la boîte à lettres. Ils ont dit entre quelle heure et quelle heure? Entre 8h et 13h. Tu l'as vu celle-là? Carrefour d'Evry, un client de supermarché fait une découverte. Et c'est vrai. Je les ai vus. C'est vrai, hein? Ah ouais? C'est vrai, moi je l'ai même vu. C'est quoi? Les petites souris. Ah oui? J'étais avec toi ou avec Martin, Dunia? Je sais pas. À l'accueil, il y avait une petite souris. Mais c'était avec moi? Ah ben c'est vrai. À Evry. Ah bah écoutez, à Evry, à l'Agora, il y a des souris. Attendez, ils disent qu'il y a un client qui a fait une découverte répugnante. Donc on va voir ce que c'est. C'est vrai, j'ai dans un vêtement pour bébé. Ça a été? Ouais. Bon, ça va, ça fait pas mal. Non, non, déjà ça fait pas mal. Je t'ai dit, si ça me fait pas mal, moi je reviens. Bah oui, mais en fait, il lui a conseillé 6 séances, donc une séance par semaine pendant 6 semaines. Mmh. Et à partir de là, s'il y a des résultats, et bah, elle continue. En fait, l'objectif du médecin, ça va être de descendre un maximum toutes ses tensions. Parce qu'elle est très énergique et ses tensions sont beaucoup trop élevées et c'est pas bon quoi. Donc, voilà, en fait, il va travailler dessus, donc si ça fonctionne chez elle, moi je le ferai. Après, je suis pas autant stressée qu'elle. Moi, j'essaye tout le temps de relativiser un peu, même si je suis une nature stressée. Ah, bien joué. Mais bon, j'essaye toujours de me dire, c'est par la maman. J'essaye toujours de me dire, bon, c'est pas grave, s'il y a eu ça, c'est qu'il y a une raison, tout ça. Enfin, voilà, même toi, hein. Mais c'est vrai que des fois, j'essaye de lui dire, tranquille, t'inquiète. Mais même si ça la touche pas elle personnellement, elle va être stressée par exemple pour nous. Donc elle va nous stresser nous aussi, tout ça. Ouais, déjà, mais vous pardon. Vous stressez. Oh, je suis trop gênée, il m'a regardé trop chelou. Tu m'as dit quoi maman? Déjà vous me stressez. Bon arrête. Si. En quoi je te stresse moi? Non mais c'est pas stressé méchamment. Ouais. C'est moindre des choses, je me mets à stresser. Ouais, mais comme j'expliquais au médecin, en fait elle est de nature comme ça. Et je pense que le stress ça vient de quoi? C'est juste un état d'esprit. Franchement, clairement, c'est difficile à dire, mais si t'es de nature à dire oh là, je suis stressée, bah tu finiras par être stressée, tu vois. Mm-hmm. Un malade, tu vas lui dire il est malade, bah au bout d'un moment il va dire oui, je suis vraiment malade. Bah c'est pareil, en fait, c'est un état d'esprit, ça s'apprend. Mon téléphone. T'as dit mon téléphone? Oui, je l'ai, il est dans ma poche. Enfin bon, voilà, après ça se travaille, hein, le fait de pas être stressée, de se dire que c'est pas grave. De dire voilà, il y a toujours pire, tout ça, mais bon, c'est un travail sur soi-même à faire. Je vais vous laisser. Écoutez, je vais clôturer le vlog maintenant parce que quand je vais rentrer, je vais rien faire de particulier à part travailler, donc je vais vous épargner ça. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Deuxième nouveau vlog, ciao! Attends, j'ai pas mis ma ceinture.